Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a quitté Djibouti le mardi 5 juillet à destination de Nairobi, capitale du Kenya, où il a pris part aux travaux d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Siège de l'IGAD, Djibouti occupe une place pivot dans cette organisation grâce à sa position stratégique dans la région d'une part, mais aussi à son profil unique de modèle immuable de stabilité politique dans cette partie du monde. Pour la première fois depuis plus de 18 mois, le chef d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD se sont réunis autour d'un sommet extraordinaire pour aborder plusieurs sujets et thématiques. Tour à tour, les chefs d'État et gouvernement sont arrivés dans la même journée de mardi à l'aéroport de Jomo Kenyatta à Nairobi. Le président du Conseil de souveraineté de transition au Soudan, M. Abdel Fattah al-Burhan, ainsi que le premier ministre de l'Éthiopie, Dr. Abiy Ahmed, étaient arrivés. À son arrivée, le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, accompagné par le ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, était accueilli par de hauts responsables du Kenya, ainsi que de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, M. Yassine Al-Mimbouh, et l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Abdi Haïbé. Le chef de l'État a ensuite signé le registre des invités de marque à l'aéroport de Jomo Kenyatta avant de se diriger vers l'hôtel des Safari Park où les travaux du 39e sommet extraordinaire de l'IGAD a commencé en présence de plusieurs hauts responsables, notamment la représentante de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique et l'émissaire des Nations unies, ainsi que des représentants de l'Union africaine qui ont assisté à ce sommet. En marge de sa participation au sommet, le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est entretenu avec son homologue, le président
de Kenya, M. Uhuru Kenyatta. Les voies et moyens d'approfondir encore davantage les relations privilégiées entre les deux pays ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Le président de la République s'est ensuite entretenu également avec les autres dirigeants des pays de l'IGAD qui ont participé, comme lui, aux travaux de ce sommet extraordinaire. Plusieurs thématiques étaient dans l'agenda du sommet de l'IGAD, notamment les conséquences de la sécheresse qui est, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, WFP, la pire sécheresse dans la Corne de l'Afrique en 40 ans, qui s'inscrit dans un contexte mondial sous forte tension, mais aussi avec une saison de pluie sèche à cause du changement climatique. Près de 350 000 enfants risquent l'insécurité alimentaire. Les conséquences du COVID-19 et la réforme de la charte de l'organisation régionale et l'identification de mécanismes nouveaux propices au renforcement de la stabilité des pays de la région étaient aussi au menu de discussion pendant le sommet de l'IGAD qui a réuni tous les leaders des pays membres de cette organisation. Ensuite, le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Warkene Gabiyehu, a fait un discours dans lequel il a rappelé que les pays membres de cette organisation doivent s'unir pour faire face aux défis communs. Excellencies, I am overwhelmed to receive your excellencies as the leadership of our region together once again after 18 months since our last summit meeting. I thank your excellencies for your unwavering dedication to the cause of our region and our regional integration. Je suis ravie de recevoir Excellence, président de chef d'État en tant que leader de notre région à nouveau ensemble après près de 18 mois depuis notre dernière réunion au sommet. Je vous remercie, Excellence, pour votre dévouement pour la cause de ce pays de la région qui fait face à un défi commun, qui est la cause de notre organisation régionale. Bien que nous rencontrons des différents défis, ce sommet extraordinaire des États membres est convoqué pour évoquer tous ces défis et leur impact actuel sur notre région. Malgré cette situation, je suis satisfait que nous continuions à discuter pour voir des solutions afin de sortir de ces problèmes. Nous sommes et restons une famille qui est inséparablement liée et nous avons l'obligation de continuer d'agir dans l'intérêt supérieur de nos peuples pour élever les défis qui sont des défis communs et individuel, et saisir les opportunités qui sont mutuellement bénéfiques pour nous tous. Cette rencontre au sommet est un signe indéniable de notre solidarité pour améliorer énormément et rendre cette organisation plus forte. C'est aussi un message clair à la région et à la communauté internationale que nous sommes unis dans toutes les circonstances. Instrumental in bringing to us together and for hosting this meeting at this very, very important time. Après que le sommet s'est clôturé, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a quitté dans la même journée Nairobi, capitale du Kenya, pour regagner Djibouti. Oh,
À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, était accueilli par le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que de hauts responsables djiboutiens. Tadwaina, adio hasidei.